Bon, ce que j'aime beaucoup quand je visite un endroit, c'est être au moins à un moment le premier à y être, de la journée par exemple, ou le dernier, ou y être seul. La conférence de cryptographie où je vais chaque année est à Santa Barbara, en Californie. C'est un endroit assez extraordinaire. Il y a une plage assez immense, plusieurs kilomètres. Et le challenge que je me suis donné, être seul, c'est effectivement être sur la plage de Santa Barbara alors qu'à 10h du matin ou à midi, il y a des milliers de personnes, y être seul. Alors il m'a fallu plusieurs années pour faire ça. Et donc une fois, à 5h45 du matin, j'ai été sur la plage, il n'y avait personne, sur 2-3 kilomètres, et donc j'ai marché là tout seul. J'ai pris des photos, c'était assez extraordinaire, et à 6h du matin, il y avait plein de monde. Décoder pour moi, c'est un peu ce qu'il y en a derrière nous ici, un grand paquet de fils, et on essaye de mettre de l'ordre dedans. Alors, je n'ai pas dit que je vais le faire ici maintenant, mais c'est ça le système. Alors, si on pense décoder par exemple des messages, un message c'est quelque chose qui est très structuré, qui veut dire quelque chose. Si on l'encode, si on le chiffre, on obtient un résultat qui, de certaine façon figurée, est le paquet qu'on a derrière, et déchiffré, décrypté, si on n'a pas la méthode, c'est revenir au point initial de bobine bien claire, etc. Alors, c'est aussi vrai quand on essaye de comprendre le monde ou qu'on essaye de comprendre les personnes, ce décodage, c'est passé effectivement de choses très emmêlées à quelque chose qui est plus clair. Ce qui n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours faisable. Bien, voilà, donc ça c'est les premiers éléments de cryptographie. Les premières techniques ont été de mélanger les lettres. Alors c'est relativement facile à casser sur des messages courts, parce qu'effectivement, ça revient un peu à un jeu d'anagramme, en fait. On permute les lettres jusqu'au moment où on trouve quelque chose qui a du sens. La plupart des techniques utilisées ont été cassées, comme on dit, en tout cas toutes les techniques jusqu'au début du XXe siècle. Alors casser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui intercepte ce message, un espion, grâce à des calculs et à la statistique, etc., il est capable d'en déduire M, sans connaître D. Dans les applications de la cryptographie que j'ai eu l'occasion de chercher et de trouver, une question est venue d'un directeur de Philips. Que faire dans le cas suivant? Donc, vous avez une carte à puce comme moyen de paiement dans un supermarché, par exemple, et la meilleure méthode connue à l'époque prend 2 minutes. Donc, c'est beaucoup trop long, bien sûr, personne ne voudrait ça. Et donc, le challenge était de réduire ça à environ 1 seconde. Et donc, j'ai eu la chance qu'on m'a posé la question à moi tout seul au départ. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai travaillé là-dessus. J'ai trouvé une excellente solution. Et le directeur en question a trouvé à ce moment-là les moyens de l'appliquer. Et ce que j'ai trouvé à l'époque est toujours utilisé. Donc, l'élément déclencheur du fait que j'ai travaillé beaucoup dans les cartes à puce a été le fait que quelqu'un me l'a demandé au bon moment. Ça, c'est un théorème qui a été trouvé il y a 60 ans environ. C'est qu'on va combiner des permutations, donc je vous ai expliqué mélanger les lettres, des substitutions. Et ça, ce sera la technique de chiffrement. Et la clé, à ce moment-là, ce sera quoi? Ce sera une permutation donnée, une substitution donnée, une autre permutation donnée, une autre substitution donnée, et ainsi de suite, jusque
au moment où on est satisfait par la technique. Et donc la cryptographie à ce moment-là, ce sera effectivement de bien choisir la permutation et la substitution. Depuis que je suis tout petit, je suis enclin à voir une autre piste que ce que les personnes voient. Pour moi, je considère souvent une phrase comme une espèce de jeu de mots. Même si la personne qui l'a dite n'avait pas du tout l'intention de faire ce jeu de mots. Et donc, quand je me rends compte qu'il y a eu un jeu de mots ou un quiproquo qui n'existe que dans un sens potentiel, autrement dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, en intérieur, je trouve ça très rigolo. Peut-être bien que je perds un peu le contact. D'autre part, comme je viens de le dire, j'ai tendance à trouver une deuxième solution à des problèmes où il n'y a qu'une solution. Tout le monde n'en voit qu'une solution la plupart du temps. Moi, je vois une deuxième. Et donc, chaque fois, je surprends les personnes. Alors ça, c'est mon décodage de la réalité. Je décode les paroles différemment de ce qu'on dit. Je décode la façon d'agir autrement. Et bien souvent, effectivement, la solution que je propose, soit fait rigoler les gens, soit les surprend positivement. Le seul code que j'ai, c'est l'humour et éventuellement le second degré, si je puis dire. Mais ça, c'est un code pour se cacher, mais c'est aussi un code pour se révéler. Quelqu'un qui comprend bien le second degré, il comprendra beaucoup de choses de ma part. S'il ne comprend pas le second degré, qui prend tout au premier degré, il me connaîtra très mal. Mais les personnes qui comprennent que le premier degré, c'est vraisemblablement les personnes avec lesquelles je suis très peu en accordance. Donc ce n'est pas une question de cacher, c'est une question de filtrer les personnes avec lesquelles je pourrais bien m'entendre. Oui, ça a l'air d'être un espèce de labyrinthe. Oui, c'est un codage, évidemment. Ça, on le sait bien. Mais c'est un codage non décrypté, inconnu. Moi, je suis quand même... Je ne suis pas si inconnu que ça. On parvient quand même à me décrypter, je crois. Et alors, comment est-ce qu'on regarde ça? Bon, je prends celle-ci. Ça, c'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Et alors, maintenant, il faut être très doué, parce que chaque nœud, ici... signifie une valeur, et donc il y a un nœud spécial pour les unités, pour indiquer que c'est une unité, et puis alors ici les autres nœuds, soit qu'il n'y en a pas, ça c'est zéro, donc les 1K connaissaient le zéro, et ils avaient notation positionnelle, c'était tel endroit, il n'y a rien, donc c'est zéro. Et les Romains n'avaient pas ça, par exemple. Et chaque nœud ici, normalement, il faut bien regarder, il faut avoir de très bons yeux. Le nombre de traits dans le nœud, ça indique le nombre. Et donc, c'est une notation décimale. Alors maintenant, ça, c'est à peu près le maximum de ce qu'on sait décoder d'un quipou aujourd'hui. Ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le premier papier qui a été écrit là-dessus, c'est en 1923. Donc il y a moins d'un siècle, on ne savait pas faire ce que je viens de faire avec un quipou. On n'avait pas compris. On croyait que c'était des objets décoratifs, quelque chose comme ça. Et puis on a compris qu'il y avait une structure. Aujourd'hui, on comprend un peu mieux encore. Mais malheureusement, ces nombres, c'est quoi? Est-ce que c'est un nombre d'habitants, le nombre d'or qu'a quelqu'un? Sans doute que tout ça, oui, mais on n'en sait rien.